Good morgen, allez, Iden et Sussur aujourd'hui, le Nishmat Rachira Aaron Ben Fortuné Mazal, Claude Yitzhak Ben Fortuné Mazal, et Lor Léa Bat Beila. Si vous souhaitez, vous aussi, dès une prochaine étude de Mishnah contactée à la 5 minutes éternelle, nous étudions Maser Hachkalim, Perek, Chet, Mishnah Zain, Rabbi Eliezer Omer, Etchelin Tma Be Avatuma, Ben Bifnim, Ben Bachutz, Isaref Bachutz. Etchelin Tma Be Vladatuma, Ben Bifnim, Ben Bachutz, Isaref Bifnim. Rabbi Akiva Omer, Bekom Tumato, Sham Srefato. Mishnah qui continue directement la discussion de la Mishnah précédente. C'est d'ailleurs intéressant pourquoi ça arrive des fois. On est en pleine discussion, la Mishnah s'arrête pour démarrer une autre Mishnah. Je vous ai déjà dit, je ne sais pas qui a fait, qui a partagé le Mishnah Yot. C'est assez étonnant quand même. À savoir, on en parle d'un korban qui est devenu impur. Et la question c'est où le brûler. Tout korban qui devient impur, il faut le brûler bien sûr. Maintenant la question c'est où. D'un côté, la Torah nous dit des fois, Bakodesh Isaref. C'est une expression qui a été utilisée dans la Torah, dans un korban qui a été impurifié, Bakodesh. Qui a été un korban qui a été impurifié alors qu'il était dans Nazara, c'était à l'époque, justement, de Nadav Aviou là-bas, dans Parchat Shemini. Et donc, d'un côté, la Torah nous dit, Ba'esh Isaref. D'un autre côté, ce qui est impur, je n'ai pas le droit de le rentrer dans l'enceinte de Nazara. Et s'il y a une impureté dans Nazara, je vais la sortir le plus vite possible. Alors comment on fait? Tu me dis de le brûler à l'intérieur ou tu me dis de le brûler à l'extérieur? Sur ça, on avait deux avis dans la Mishnah précédente, Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai qui disait, on a deux paramètres qui vont influencer. Quel niveau de Touma? Est-ce que c'est un Avatouma? Est-ce qu'il est devenu impur par un, en touchant un Avatouma, donc impureté Midoraita, ou bien en touchant un Vladatouma, qui est une impureté parfois des Rabbanan, parfois dans les Kochim, c'est un peu différent. D'accord? Donc on a degré d'impureté qui est un facteur. Deuxième facteur, c'est où? C'est-à-dire, il y avait un paramètre qui va me dire, peut-être éventuellement, après, chacun va développer ça à sa manière, mais en tout cas, un paramètre qui va me dire, si tu as été impurifié dans l'enceinte du Beth Amikdash, alors brûle-le sur place. Si tu l'as, si ça a été, c'est devenu impur à l'extérieur du Beth Amikdash, ne le fais pas entrer pour le brûler. Sur ça, on avait une marloquette Beth Shammai, Beth Hillel, que sont le Beth Shammai. À l'intérieur de l'enceinte du Beth Amikdash, tu brûles tout de suite, même si c'est Avatouma, à l'extérieur du Beth Amikdash. Si c'est Vlad Atouma, tu fais entrer. Donc, de prévention, il fallait deux conditions pour le brûler dehors, que tu n'aies pas le droit de faire entrer. Que ce soit impurifié par un Avatouma dehors. Selon Beth Hillel, c'était le contraire. Pour le brûler à l'intérieur, il fallait que ce soit Vlad Atouma Bifnim. C'est ces deux conditions remplies. D'accord? Ça, c'est la mission précédente. Et à présent, on découvre encore deux nouveaux avis. Rabbi Eliezer Omer. Etchinitma be Avatouma, Ben Bifnim, Ben Bachutz, Isaref Bachutz. Rabbi Eliezer m'enseigne, celui qui a été impurifié par un Avatouma, qu'il était impurifié à l'intérieur de l'enceinte de la Zara ou à l'extérieur de la Zara. Dans tous ces cas-là, il s'arrête Bachout. C'est une impureté trop grande. Sur ça, va prôner la lacha de sortir l'impureté de l'enceinte du Beth Amikdash et plus, va prendre le dessus. Et donc, je t'impose de le sortir. Même si c'était impurifié dans l'ensemble de l'Azara. Tandis que, Ve'etchenitma bi-Vladatouma, par contre, ce qui a été impurifié par un Vladatouma, par un niveau d'impureté moindre, c'est-à-dire que c'était un Vladatouma, au lieu que ça touche directement le reptile a touché un aliment, un liquide, et le liquide a touché le Bassar Kochim. Alors dans ce cas-là, la Mishnah me dit, ça dans ce cas-là, Ben Bifnim, Ben Parchutz, Isaref Bifnim, que ça a été impurifié à l'intérieur de l'Azara, ou même à l'extérieur de l'Azara, tu le rentreras dans l'Azara pour le brûler à l'intérieur. D'accord? Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer, de Mefarchim précise, parce que Rabbi Eliezer il pense qu'une viande qui a été impurifiée par un Vladatouma n'est impure que Midrabanan, c'est pour ça qu'en fait Rabbi Eliezer te dit, fais le rentrer dans l'enceinte de l'Azara. Rabbi Akiva Omer, Makom Tumato, Sham Srefato. Selon Rabbi Akiva, il y a un seul paramètre à considérer, c'est où ça a été impurifié. Peu importe le niveau d'impureté. C'était impurifié dans l'enceinte de la Zara, tu brûles sur place, même si c'est un Vatouma. C'est impurifié à l'extérieur de la Zara, tu brûles à l'extérieur. En fait, il s'avère que Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, ils ont une discussion bien claire. Selon le... Quel paramètre influence? Selon Rabbi Eliezer, c'est uniquement le niveau d'impureté, peu importe où ça a été impurifié. C'est-à-dire même grand niveau d'impureté à l'intérieur, mais à l'extérieur, à l'intérieur, tu le fais sortir. Petit niveau d'impureté, même ça, tu fais entrer. Donc, selon Rabbi Eliezer, le seul paramètre qui influence, c'est le niveau d'impureté. Et selon Rabbi Akiva, le seul paramètre qui influence sera où ça a été impurifié.
Et si c'est à l'intérieur, même si c'est un grand niveau, tu brûles sur place. Si c'est à l'extérieur, même un petit niveau, tu le fais plus rentrer. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atsar, Nakoltou, ça.